Alors, on continue. Petit ajout sur les notes de la dernière fois. Je vous avais parlé d'équations de Hamilton-Jacobi. C'était la fin du cours pour expliquer comment évoluer les fonctions duales de Kantorowicz. Et j'aurais dû mentionner de manière explicite la correspondance entre les deux formes différentes qu'on avait vues de Hamilton-Jacobi. Donc ça, c'est juste un petit addendum à ce qu'on avait dit la fois précédente. Hamilton-Jacobi, je vais me limiter au cas quadratique qui est celui qui nous importera le plus. Et l'équation, elle s'écrit d rond t phi plus gradient phi carré sur 2 égale 0. Et il y a la représentation en inf, sous forme d'un inf, qui est phi de t égale inf de phi 0, phi 0. Alors phi t de, on va appeler phi de tx est égal à inf de phi de 0x plus distance de xy carré sur 2t. Et ici, il faut que je mette un alors y ici. Et inf est sur y ici. Voilà. Alors pour que ce soit cohérent avec les notations que j'avais, il vaut mieux utiliser le y ici, mettre un psi, pardon. C'était psi que j'avais utilisé la dernière fois. Et ici, donc psi. Et ici, mettre un x. Et là, l'inf sur x. Pas d'importance, puisque ici, c'est symétrique en x et en y. Et celui-ci correspond au semi-groupe dans le sens positif. Bon, celui qui vous permet d'évoluer, par exemple, de la fonction psi initiale à une fonction psi au temps ultérieur. Voilà. Et alors, si vous allez dans l'autre sens, partant de la fonction phi au temps 1, en déduire quelque chose au temps précédent, dans l'autre sens, eh bien, ça serait phi de t x est égal au sup sur y de phi de 1y moins distance de xy carré sur 2 fois 1 moins t. Celui qui vous permet d'aller du temps 1 au temps t, dans le sens rétrograde. Voilà. Et le lien, vous l'avez par rapport à ce que j'avais mis la dernière fois. Le coût pour aller de s de x à autant s à y autant t, il faut y penser comme distance xy carré sur 2 s moins t, t moins s. Voilà, ça c'est juste un addendum pour la dernière séance. Et on passe au chapitre 3. Chapitre 3. Entropie, une entropie, des entropies, et fonctionnelle, intégrale, non linéaire, de la densité. Bon, et on va faire un certain nombre de rappels et de récapitulatifs sur des fonctions qui s'expriment comme des intégrales d'une fonction non linéaire de la densité. C'est des choses classiques, mais c'est bon de les rappeler. Et d'abord, on va commencer par un peu d'histoire. Et comme on sait bien, c'est dans les années 1870... que Boltzmann introduit sa notion d'entropie statistique. D'un gaz. Et c'est une réinterprétation
de l'entropie thermodynamique qui existait déjà avant lui. Et Boltzmann, il va dire, on peut définir une entropie indépendamment de ce qui est un contexte thermodynamique particulier. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait une distribution de probabilité et qu'on ait aussi une notion de microscopique et macroscopique. Donc ce qui compte, probabilité et distinction micro-macro. La probabilité étant quelque chose de visible, donc quelque chose qui est considéré sur l'espace macroscopique. Au bas, ici. Bon. Et donc, Boltzmann identifie à un processus limite près l'entropie au logarithme des volumes macroscopiques, microscopiques, du volume microscopique, compatible avec les probabilités macroscopiques. Ou on va dire macroscopiquement observé. Et c'est la fameuse formule S égale K log W, telle qu'elle a été réécrite par Planck. Alors, on va refaire le calcul. Il est élémentaire, mais c'est bien de l'avoir en tête. Et pour ça, on va discrétiser. Et on va dire qu'on a K états macroscopiques, K états qu'on peut distinguer macroscopiquement, et F1, etc., Fk. On va noter ça F, le vecteur, un vecteur de probabilité. Et donc somme des Fk est égale à 1, somme des Fi égale 1 pour i variant de 1 à k. Et on va poser S de F, qui va être la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n log W de F, où ici on a le nombre de façons W de F, nombre de façons de réaliser F avec des... avec des expériences microscopiques. Donc, nombre de façons de ranger n boules dans les cases pour que ça corresponde. Alors, écrit comme ça, en général, ça n'a pas de sens. Et expérience microscopique à n particules. Écrit comme ça, en général, ça ne marche pas. Parce que si on ne fait pas gaffe à la... si on ne fait pas gaffe en général, il n'y a aucune façon simplement de réaliser F, par exemple, si les Fi sont irrationnels. Et la vraie définition, c'est avec des petites erreurs. Et là, on va faire le calcul sans se préoccuper des petites erreurs, en supposant les F rationnels, les Fi rationnels, et en se limitant à des grands N qui sont compatibles avec les Fi.
limite à fi rationnel. Et grand N, on va dire multiple du plus petit commun multiple des dénominateurs. Des FI. Et on va trouver grand S de F est égal à moins la somme pour I allant de 1 à K des FI log FI. Et on va donner deux définitions, deux démonstrations de ça. Alors, première remarque, attention, il y a bien un signe moins, et on n'a pas le droit de dire que l'entropie c'est l'intégrale de f log f, ça, c'est un usage qui s'est répandu dans plein de cercles mathématiques, mais ça va contre un siècle de tradition physique. Ensuite, on va donner deux preuves de ça. Preuve 1, basée sur Stirling. On rappelle que factoriel n, c'est égal à racine de 2pi n, n sur e à la puissance n, tout ça fois 1 plus petit o de 1. Ou même grand taux de 1 sur n. Et on écrit, c'est une question de combinatoire, hein, sur comment ranger n particules dans des boîtes de telle sorte qu'ici il y en a grand nf1, ici grand nf2, etc., ici grand nfk. L'ombre de possibilités, c'est w de f égale factoriel n divisé par factoriel nf1, etc., jusqu'à factoriel nfk. Et donc, on va bêtement et bourrinement développer ça en appliquant Stirling. Alors, on va prendre les logarithmes. Logarithme de n factoriel est égal à n log n, qui vient d'ici, moins n, qui vient du E ici, plus log racine de 2pi, plus 1 demi de log de n, plus grand taux de 1 sur n, qui vient de ce facteur-ci. Bon, et on applique ça à tous les grands nfi. Alors, on va supposer que les f1, etc., fk sont tous strictement positifs. On peut toujours s'y ramener, quitte à enlever des cases dans la boîte. Et puis donc, tous les grands nf1, etc., grands nfk vont tendre vers l'infini. Et donc, on peut appliquer la formule de Stirling à chacun d'entre eux. Donc, ni égale grand nfi tend vers l'infini. Et on va avoir logarithme de ni factoriel est égal, pareil, à ni log ni moins ni plus log racine de 2pi plus 1 demi de log ni plus grand taux. Alors ici, je vais mettre grand taux de 1 sur n, les fi étant tous strictement positifs. Bon. Et donc, log w de f est égal, alors on regarde ce qui va sortir de là. D'une part, je vais avoir le terme. Alors, d'abord, j'écris explicitement que ça va être log de n factoriel moins la somme des logs de ni factoriel. Il va y avoir un premier terme qui est n log n moins somme des ni log ni. Un deuxième terme qui est moins n
plus la somme des ni, terme qui évidemment est égal à 0. Un troisième terme qui est des logs de racine de 2π. Alors je vais en avoir moins k moins 1 log de racine de 2π. Donc un terme qui est grand O de 1. Un terme qui est en log n et que je vais juste écrire en grand O de log n. Voilà. Et puis un terme en grand O de 1 sur, en grand O de n, 1 sur n. Bon. Tout ça, on va dire que c'est un grand O de 1. Et maintenant, quand on divise par 1 sur n, par n, pardon, log W de f, eh bien, je trouve que c'est égal à log n moins somme des ni sur n log ni plus grand O de log n sur n. Bon, ni sur n, c'est fi. Log de n, je peux toujours dire que c'est égal à la somme des ni sur n log n, parce que somme des ni sur n est égale à 1. Et donc j'ai moins somme des ni sur n log ni plus grand O de log n sur n. Et j'obtiens bien le résultat annoncé en utilisant l'additivité du log, donc moins somme des ni sur n log de ni sur n plus grand O de log n sur n. Des logarithmes népériens. On va mettre une fois pour toutes ici log égale ln. Alors, on peut aussi changer la base du logarithme comme on veut, ça changera juste une constante à l'affaire. En théorie de l'information, on aime bien prendre le logarithme en base 2. Donc ici, je vais mettre log égale ln, mais on pourrait utiliser un autre log. Un autre logarithme. Bon, là, la preuve est très nette, comme on voit, avec l'inconvénient de faire appel à un gros marteau-pilon qui est la formule de Stirling. Alors, c'est bien de savoir qu'il y a au moins une autre preuve simple qui ne suppose pas la formule de Stirling, preuve 2, et qu'on appelle parfois la méthode des types, et qui est basée sur le fait que qu'il y a très peu de valeurs macroscopiques possibles. Bon, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, on va écrire que pour P, quel que soit P égale P1, etc., PK, avec somme des PI égale 1. Donc, quel que soit ce vecteur-là, on peut écrire, on a somme sur tous les NUPL tels que somme de NI égale N. Donc, je vais mettre ici comme ça, N1, etc., NK, avec somme des ni égale n, des factoriel n sur factoriel n1, etc., factoriel nk, p1 puissance n1, etc., pk puissance nk.
Bon, quand je regarde tous ces machins, c'est une formule de puissance façon binôme de Newton. Ça fait somme des pk à la puissance grand N. Et donc ça, c'est égal à 1. Hein, si je prends juste k égale 2, c'est la formule habituelle avec les coefficients binomiaux. Donc là, c'est la même chose, mais avec les coefficients multinomiaux. Bon. Et ça, c'est quand je regarde toutes les façons de combiner les ni. Mais maintenant, si je regarde ça comme étant une somme sur toutes les possibles vecteurs de fréquence, donc je vais noter ça f appartenant à f grand N, où f grand N, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de fréquence possibles avec des dominateurs qui sont tous égaux à grand N. Donc fn, donc ça c'est l'ensemble de tous les vecteurs fréquences avec dénominateur grand N. Des grand W de F que multiplie P1 puissance NF1 PK puissance NFK. Bon, c'est une autre façon de réécrire les choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est que W de F a au plus, et ça c'est une majoration grossière, n plus 1 puissance grand K élément. Parce que la première valeur, ça va, c'est quelque chose entre 0 et n, la deuxième valeur c'est quelque chose entre 0 et n, et ainsi de suite. Donc là c'est une majoration très grossière. Et ce qui est important, c'est que c'est polynomial en grand N. Bon. Alors, maintenant que j'écris ça, je vais en déduire, d'une part, de manière très brutale, que W de F est inférieur ou égal à produit sur I des pi puissance moins n. Voilà, c'est ça. Moins n fi. Là, je prends juste un terme de la somme et je dis qu'il est inférieur ou égal à 1. Un terme de la somme est inférieur ou égal à la somme. Et inférieur ou égal à la somme entière. Bon, et d'autre part, je vais écrire que W de... Et je vais remarquer aussi que cela, P1 puissance NF1, etc., PK puissance NFK, quand vous regardez en fonction de F qui varie, ben ça c'est maximal pour F égale P. Voilà. Hein, ici, j'ai pris un P qui est quelconque. Et là, je regarde la somme avec tous les vecteurs F possibles. Pour chaque vecteur F, c'est une façon d'avoir un N1, etc., un NK, et on compte les P comme ça. Et je dis que celui-là, il est maximal pour F égale P. Donc, d'une part, on va faire une minoration par l'un des termes comme ça, mais on va aussi majorer en disant que W de P est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 puissance k, qui est le nombre de termes qu'il y a là-dedans, fois eh ben, ce que ça vaut pour f égale p, donc produit sur i des pi puissance moins npi. Voilà. Et là, c'est fini, parce que maintenant, quand vous passez au logarithme,
c'est vous en déduisez que W de P, 1 sur n log W de P, est égal au logarithme de ça. Donc ça, ça fait moins somme sur i des pi log pi, plus un truc qui correspond à ce terme-là, mais qui va disparaître quand vous prenez le log, donc un grand taux de log de n plus 1 puissance k sur grand n, qui est négligeable. On retrouve incidemment exactement le même terme d'erreur en log de n sur n, avec cette deuxième méthode. Voilà. Alors, qu'on utilise la première ou la seconde méthode, donc on trouve le même résultat. L'entropie qui est associée, l'entropie de Boltzmann qui est associée à un vecteur fréquence p, c'est moins la somme des pi log pi, plus un terme d'erreur qui est en plus en log de n sur n. Alors, pourquoi ça c'est intéressant, très au-delà du, si on raisonne juste en termes probabilistes, ça vous dit qu'il y a une information importante dans une certaine intégrale non linéaire, une intégrale d'une fonction non linéaire de la densité. Et cette fonction, c'est la fonction qui à x associe x log x. Je dis, il y a un sens contenu à l'intégrale de u de rho de x dx, où u de r est égal à r log r. Et cela parle de la facilité à reconstituer un état microscopique inconnu sachant l'état macroscopique statistique. Alors, plus généralement, on peut avoir une mesure de référence nue quelconque, S nu de mu égale moins l'intégrale de rho log rho d nu. C'est la formule générale de l'entropie de Boltzmann quand on travaille sur un espace macroscopique qui a une mesure de référence nu, où rho est dmu sur dnu. Et si on fait ici nu et la mesure sur l'espace macro, et vous faites les preuves et tout ça, vous trouvez que la mesure microscopique donc sur alors l'espace macroscopique, on va l'appeler grand X, la mesure microscopique sur x puissance grand n étant nu tenseur n. Et là, les démonstrations qu'on a faites et tout ça, ça s'applique, ça se réapplique pareil. Nu tenseur n, on peut le voir comme une mesure sur les espaces, une mesure sur l'espace d'état microscopique. Si nu est une mesure de probabilité, on peut aussi le voir comme la loi de variables aléatoires qui sont tirées indépendamment.
Mais nu n'est pas forcément une mesure de probabilité. Si nu égale proba, nu tensor n égale la loi de n variables aléatoires indépendantes tirées dans x, chacune tirée dans x. Bon. Alors, avec ça en tête, on énonce souvent le résultat général de Boltzmann pour des mesures de probabilité, et on peut aussi l'énoncer, pas forcément sur des mesures de probabilité, on va le faire, on va l'écrire ici de manière générale, et on va l'écrire ici de manière générale. Alors, on va écrire ça. Alors, façon d'abord informelle avec n tirages aléatoires la probabilité que mu chapeau n qui est ce qu'on observe à l'issue des n tirages selon loi nu soit à peu près égal à un certain mu, ben ça c'est à peu près exponentielle moins grand n h nu de mu. Ou, pardon, je vais écrire comme ça pour l'instant, grand N S nu de mu. Bon, ça c'est exactement, si vous voulez, ce qu'on a vu à l'instant sous forme discrétisée. Hein? Quand on dit que, quand on regarde le volume des tirages, si j'ai une mesure de probabilité, c'est la probabilité que le tirage vérifie tel ou tel truc. Et mon mu ici, il correspond au vecteur de fréquence. Donc dans le cas discrétisé ici, c'est le vecteur de fréquence. F1, etc., Fn. Là ici, c'est la probabilité, si on veut, c'est le volume égal proba des tirages acceptables. Avec, on se souvient, l'idée qu'on regarde des variables indépendantes, ça correspond au volume produit. Et puis, quand on prend on a pris log, on a divisé par n, on a obtenu s nu de mu. C'est exactement ça ce que ça veut dire. Le calcul précédent le montre. Bon, et si ce n'est pas une mesure de probabilité, ben, rigoureusement la même chose, si nu n'est pas une proba, on va juste écrire ça comme ça, volume, volume pour selon nu tenseur n, juste nu tenseur n, de l'ensemble des x1, etc., xn, tels que 1 sur n, somme des delta xi, qui est la façon de représenter ce qu'on observe, est à peu près égal à mu, et bien ça, c'est à peu près égal à exponentielle ns nu de mu. Bon, et là, la formule, elle est valable que nu soit ou pas une mesure de probabilité. Mu doit être une proba. Et nu, pas forcément.
Donc ça peut être la mesure de Lebesgue comme ça peut être une mesure de Proba. Bon, voici maintenant un énoncé précis dans lequel il n'y a pas les... un énoncé plus précis. Qui peut être considéré comme un cas particulier du théorème de Sanoff. Je vais mettre des guillemets parce que ce n'est pas exactement l'énoncé habituel, mais quasiment. Et donc, on peut dire que c'est juste l'idée de Boltzmann formalisé, alors ça nous dit quoi? Ben que quand je regarde 1 sur n log de nu tenseur n de l'ensemble des x1 etc xn tel que 1 sur n somme pour i variant de 1 à n des phi l de xi, où phi 1, etc., phi l vont être des observables, moins intégrale de phi l des mu. Et quand je regarde l'ensemble des x1, etc., xn, tel que tout ceci soit plus petit que epsilon, que je prends la limite quand n tend vers l'infini, que je prends la limite quand epsilon tend vers 0, et que je prends la limite quand L tend vers l'infini, avec phi L pour L appartenant à N, une suite dense de fonctions un Lipschitz, disons dense dans l'ensemble des fonctions 1 Lipschitz. Bon, et bien quand je regarde tout ça, c'est égal à moins l'intégrale de rho log rho des nu est égal à S nu de mu. Alors il y a des limes sup à mettre ici et là, mais je ne sais jamais. Je pense que là c'est juste on met une lime sup et puis après c'est une limite. Je suis pas sûr, peut-être qu'il y a une autre lime sup. J'ai oublié. Voilà, peut-être qu'il y a des barres à mettre sur les limites, c'est ça. Alors, ce que ça dit, c'est que quand je regarde la mesure empirique, cela dit que la mesure empirique mu chapeau n, qui vaut 1 sur n somme des delta xi, et dans la boule B de rayon mu de centre epsilon pour une topologie faible. Bon. Alors ça, c'est le résultat principal sur l'entropie de Boltzmann parce qu'il contient tout. Il contient le calcul qu'on a fait. Et en même temps, le calcul qu'on a fait, c'est un peu la brique élémentaire de ça. Et donc, je répète, ici, nu n'a pas besoin d'être une mesure de Proba. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est le premier résultat. Et puis, on va dire qu'il y a deux autres. Ça peut s'exprimer en distance de transport, en fait. On peut, mais disons ça. Ça marche pour n'importe quelle topologie faible. Et d'habitude, les gens des grandes déviations vont juste dire qu'il y a une fonctionnelle de taux qui est
l'opposé de l'entropie, la fonction h, que ça gouverne les grandes déviations, et que ça vérifie un principe de grande déviation, c'est-à-dire quand on prend une partie ouverte ou fermée, et qu'on regarde la probabilité de tomber dans cette partie, ouverte ou fermée, à lim sub près ou lim inf près, ça va être égal à l'inf de la fonctionnelle de grande déviation. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma partie ouverte ou fermée, qui est juste une boule de rayon epsilon autour de mu, de sorte que quand epsilon tend vers 0, ce que je récupère, c'est juste l'entropie, si on veut, correspondant à mu. C'est juste cette version-là qui est récupérée. Et effectivement, on peut mettre une distance de transport. Là, ce qu'on a écrit, c'est la boule dans la topologie W1. On pourrait en mettre une autre. Mais effectivement, du fait de ces exprimants de transport s'accommode bien du théorème de Sanoff. Il y a des preuves très efficaces de certains résultats qui sont obtenus en utilisant même l'interprétation du théorème de Sanoff, cette interprétation-là. Alors, notation. H nu de mu est égal à moins S nu de mu, la fonction H de Boltzmann. Apparemment, hein, venant d'un malentendu historique, parce que c'était un état. Mais état majuscule, ça s'écrit H. Alors, ça c'est l'un des trois grands résultats en la matière, on va dire. Les deux autres résultats célèbres faisant intervenir H sont le théorème H de Boltzmann qui dit que le long de l'équation de Boltzmann avec des bonnes conditions aux limites la dérivée de h de f de t. Alors, quand j'écris h de f de t, ici, c'est dx dv, et c'est par rapport à la mesure de Liouville, si on veut. Bon, nu est égal à dx dv, est toujours inférieur ou égal à 0, avec égalité si et seulement si F est maxwellienne, comme on dit, donc une classe de gaussienne particulière, maxwellienne, par rapport à la variable V. Bon, et c'est grâce à ça qu'il a fait le lien avec la notion thermodynamique d'entropie. Et le deuxième, c'est le théorème de compression de Shannon, théorème de compression optimale de Shannon, donc de la fin des années 40. Ça, c'est 1872, on va dire, et ça, c'est 1948. Et qui dit que si on a x, une variable aléatoire, à valeur dans un alphabet,
qu'on va appeler grand X, ou A, ouais, A. Et qu'on se donne un code. Qui a des mots qui prend des mots sur A et qui les transforme en d'autres mots sur sur A et qui est tel que on puisse redécoder uniquement décodable, hein, décodable sans ambiguïté. Alors. Comment j'ai noté ça? Ah oui. Et non, j'ai noté ça n'importe comment. Ah oui, espérance de f de x, si c'est ça. C'est pas ça que je veux. Ouais, espérance de la... Ah, ça va être un truc comme ça. Espérance de la longueur de f de x est supérieure ou égale à h de x, l'entropie de x. Voilà, là je crois que c'est bon. Alors, espérance, donc, ça veut dire, si je regarde par mot, par symbole, en moyenne, le nombre de symboles que j'ai besoin d'utiliser dans mon code final, c'est au moins l'entropie de la source initiale. Ou dit autrement, si mon, ou alors, plutôt en donnant un exemple, disons, si j'ai un code qui est très prédictible avec une entropie très basse, je peux le coder, donc lui associer une famille de mots dont la longueur moyenne est très petite. Et au contraire, si l'entropie est très élevée, je ne pourrai jamais le faire. Alors, si on veut le formaliser, c'est tout un bazar, parce qu'il faut formaliser ce que ça veut dire uniquement décodable. Il faut regarder ce que c'est, dans la limite, tout le nombre de messages, le nombre de la longueur des messages tend vers l'infini, et ainsi de suite. Mais la clé, c'est ça. Et formulé autrement, le taux de compression maximale alors, j'aurais dû dire ça. Non seulement il y a ça, mais en plus, c'est atteignable à epsilon près. Atteignable à epsilon près. Donc, le taux de compression maximal applicable à un signal aléatoire. Et l'entropie de ce signal. L'entropie est basse, alors on peut le comprimer énormément. Ici, l'entropie est moins l'entropie de ce signal. Entropie basse, on peut le comprimer énormément. Entropie élevée, on peut très peu le comprimer. Et pour la petite histoire, hein, Shannon utilise une preuve aléatoire pour montrer qu'on peut presque réaliser le taux de compression optimal. Et il a fallu, je crois, quelque chose comme 50 ans pour qu'on puisse les construire, ces codes qui étaient, dont l'existence était prouvée de manière non constructive. Notation. Donc j'ai déjà dit h nu égale moins s nu, donc j'ai écrit explicitement h nu égale l'intégrale de rho log rho d nu, h nu de mu. Et puis si nu
est égal à exponentielle moins v de x dx, alors h nu de mu, h nu de, voilà, h nu de rho dx est égal à l'intégrale de rho log rho sur exponentielle moins v exponentielle moins v dx. Alors, pardon, h nu de rho nu. On va vérifier que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est pas bon. H nu de rho dx, tout court. Oui, c'est juste ça qu'il me faut, voilà. Aïe, 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 attendez. Attendez, je me suis paumé. Rho log rho sur exponentielle. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que, alors, je réécris. Si je prends rho dx, où rho est une mesure de proba, une densité de proba, pour la mesure de Lebesgue. Bon. Maintenant, quand je vais regarder d mu sur d nu, ça sera égal à rho sur exponentielle moins v. Donc h nu, ça sera égal à ça. Et ça, je peux le réécrire, bien sûr. Intégrale de rho log rho sur exponentielle moins v dx. Et donc, c'est égal à l'intégrale de rho log rho dx plus l'intégrale de rho v de x dx. Et cela, ou variante, en mettant un coefficient bêta, nu égale exponentielle moins bêta v de x dx, pour un bêta strictement positif. Alors 1 sur nu, h nu de rho de x dx, est égal à, pardon, 1 sur bêta, h nu est égal à 1 sur bêta intégrale de rho log rho plus l'intégrale de rho v, et cela est souvent appelé énergie libre. Parce qu'on y reconnaît U moins TS, où U est une énergie potentielle, bêta un inverse de la température, et intégrale de rho log rho, c'est moins S. Donc on peut dire énergie libre, ou on peut dire H nu, information information au sens de Boltzmann, Shannon ou qui vous voulez. Donc la fonction, dans ce cas-là, la fonction h nu coïncide avec l'énergie libre habituelle. Et on voit que c'est d'autant plus malvenu d'appeler h nu entropie ou entropie relative, comme on dit souvent, parce que ça a un nom en physique, c'est énergie libre, dans ce cas où nu est la forme exponentielle moins bêta v. Ok. Ouais, Yann, il aussi, il hoche la tête. Ouais, le problème avec les entropies, c'est que l'axe a choisi le mauvais signe. Hein. Et après, il y en a plein qui ont emboîté. Mais les entropies, c'est concave, c'est pas convexe. C'est dommage. Alors, eh oui. Alors, on va se concentrer maintenant sur les propriétés de la fonctionnelle en elle-même. Là, on a parlé d'historique, on a parlé d'interprétation et des théorèmes. Avec une interprétation sur le passage micro-macro, une interprétation en théorie des gaz, comme une notion de quelque chose qui augmente, un désordre, et une interprétation en termes de théorie de l'information. Et on va passer à deux définition précisée et propriété fondamentale.
définition, à la fois, ça sera à la fois précisé et étendu. Bon. Alors, donnons-nous U une fonction convexe. Et on va supposer que U de 0 égale 0 pour normaliser les choses. Et on va poser une U de mu est égal à l'intégrale de U de rho de x nu de dx pour mu égale rho nu. Absolument continu donc, mu absolument continu par rapport à nu. Donc on a envie de poser ça en général pour certaines classes de fonctions U, avec en tête que U égale la fonction rho log rho jouera un rôle privilégié, mais que peut-être on aura envie de le faire avec d'autres fonctionnels de mesure de probabilité. Et on le définit uniquement pour mu mesure de probabilité. Et nu, en revanche, c'est une mesure a priori quelconque. Plusieurs subtilités. Subtilité 1. Subtilité 1. Et si mu n'est pas absolument continu par rapport à nu, peut-on encore définir une U de mu? On sent bien que dans tous les plein de cas, on va être amené à avoir des mesures qui se concentrent dans un processus limite ou des choses comme ça. Bon, et il y a une méthode très simple pour faire ça, et la réponse est oui. Il suffit de corriger en ajoutant un terme qui fait intervenir juste la mesure singulière. Et le terme, c'est la mesure singulière, le poids que la mesure singulière de mu attribue à l'espace x, mettons que ce soit une intégrale sur un espace x, hein, avec nu une mesure sur x, multiplié par la pente à l'infini. Pente de u à l'infini. Bon. Et si vous y réfléchissez un peu, vous voyez que c'est le prolongement naturel. U, si c'est une fonction convexe, elle admet toujours une asymptote, une pente asymptotique à l'infini. Et ainsi, votre truc il est bien défini. Donc, par exemple, si je veux définir l'intégrale de delta log delta, où delta est une mesure de Dirac, par rapport à une mesure qui est diffuse, ça sera plus l'infini. En revanche, si je veux définir moins l'intégrale de racine de delta, et moins racine carrée, c'est encore une fonction convexe, eh bien ça sera égal à 0. Dans un cas, la pente asymptotique elle est infinie, dans l'autre cas, la pente asymptotique elle est nulle. Subtilité 2. Peut-on définir une nu de mu si x est non compact? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de convergence à l'infini? Et en général, non. Et exemple, si on prend intégrale de rho log rho,
il y a des valeurs positives et des valeurs négatives, et il se peut très bien que les valeurs négatives, il se peut que l'intégrale de rho log rho pour rho log rho positif soit infinie et intégrale de rho log rho pour rho log rho négatif soit égale à moins l'infini. En revanche, dès que vous avez un peu de tension suffisante à l'infini, de manière quantitative, vous pourrez éviter ce phénomène. Mais dès que l'on a un contrôle raisonnable à l'infini, par exemple des moments sur ρ, on peut éviter. On a la partie négative contrôlée. Exemple, supposons que intégrale de ρ de x, x carré dx soit finie. On regarde ça sur Rn. Bon, eh ben, je vais écrire que ρ log ρ, que ρ de x log ρ de x est supérieur ou égal, plus, alors ρ de x log ρ de x, plus exponentielle moins x carré est supérieur ou égal à, moins, plus, non, ρ de x fois x carré. Là, je suis en train d'écrire une inégalité de Legendre. Je ne me suis pas planté sur les signes. Si, peut-être. Rho log rho moins x carré. Ici, je vais mettre en moins. Voilà. Et j'intègre ça. Et j'intègre ça en intégrale de rho log rho, une borne qui serait supérieure ou égale à moins l'intégrale de rho de x, x carré dx, moins l'intégrale de exponentielle moins x carré dx. Et si je veux, je commence par l'intégrer sur tous les endroits où rho log rho est strictement négatif, pour bien montrer que je contrôle cette partie-là. Et donc l'intégrale ne peut pas prendre la valeur moins l'infini. Montre que l'intégrale de rho log rho est bien définie dans R union plus l'infini. Peut-être que ça prend la valeur plus l'infini, mais il n'y a pas de problème avec moins l'infini. Bon, on verra tout à l'heure des théorèmes généraux. Aussi, je vais donner maintenant. Alors, on va tordre le cou tout de suite à ce problème-là. Alors, d'où vient le problème ? À l'infini, le problème, voilà. Bon, si on réfléchit, U est convexe. Donc, U de R est supérieur ou égal à U de 0 plus U prime de 0 fois R. Bon, et ceci vaut 0 par hypothèse, et U prime de 0 fois, donc U de rho de x est supérieur ou égal à U prime de 0 fois rho de x, et ça, bien sûr, c'est intégrable, puisque rho est une mesure de densité de probabilité par rapport à nu. Donc le seul problème, et si U' de 0 est égal à moins l'infini. Le seul problème qui peut se poser, ça correspond aux petites valeurs de la densité, et si la dérivée en l'origine est égale à moins l'infini.
pour Rollo-Gro, vous êtes pile dans le cas où ça diverge, mais à peine, quoi. Bon. Alors, faisons une hypothèse sur la façon dont ça diverge, et en fonction de cette hypothèse, on rattrape le coup avec une inégalité de moment qui va se démontrer de la même façon ici, à coup d'inégalité de Legendre. Donc, on va supposer que la dérivée en l'origine se comporte comme une puissance, et on va une puissance inverse, et on va voir ce qu'on en tire. Alors, estimation si U de R, quand R tend vers 0, est à peu près égal, je vais l'écrire comme ça, moins n fois R1 moins 1 sur n moins R. Hein, avec une certaine, voyez ici, je fais une hypothèse sur la façon dont moralement la dérivée se comporte en l'origine, et je dis que là c'est pas dérivable, mais que quand on regarde le truc, eh bien, il y a un truc qui diverge, donc une puissance qui est en, je reprends, mon problème c'est si u' de 0 est égal à moins l'infini. Et on va regarder comment ça se comporte, u' de r, quand on regarde r qui est petit. On va supposer que c'est comme une puissance inverse de la densité, une puissance inverse qui est peut-être petite. Je vais appeler 1 sur n cette puissance inverse. Dans le cas où n égale l'infini, ça voudrait dire qu'on a une divergence logarithmique, comme dans r log r. Alors, une u de mu est bien définie sur P2 de x, c'est-à-dire les densités avec deux moments, moments d'ordre 2, dès que intégrale de nu de dx divisé par 1 plus distance de x0 à x puissance 2n-1 est fini. Ça, c'est le cas où n est fini. Et intégrale de exponentielle moins alpha distance de x0 à x carré nu de dx est fini, pour un certain alpha strictement positif, quel qu'il soit. Ça, c'est pour le cas où n égale l'infini. U de r équivalent à r log r, pour ça, c'est n égale l'infini. Bon, donc la morale, c'est qu'il y a peut-être un problème quand la pente en l'origine est égale à moins l'infini, mais il est résolu dès qu'on a des conditions de moment sur la mesure nue. Alors ici, je l'ai indiqué comme ça, mais en supposant, je me suis demandé quelles conditions pour que ce soit bien défini s'il y a deux moments pour la mesure mu, on pourrait aussi renverser les choses. On pourrait dire, est-ce que je peux le définir pour un mu qui est très localisé? Par exemple, si mu est un support compact, on pourra toujours le définir. C'est juste les valeurs à l'infini qui peuvent poser problème. Pourquoi on pourra toujours le définir si mu est un support compact? Parce que je peux toujours dire u de r supérieur ou égal à une autre fonction affine, hein, a plus br. Je prends n'importe quelle fonction affine qui est en dessous de la fonction convexe. Et ça, c'est intégrable. Ça, c'est intégrable dès que je suis sur un compact. Je vais le mettre ici explicitement. Si je veux dire explicitement, U de R supérieur ou égal à A plus BR montre aussi
que une U de mu est toujours définie si mu est un support compact. Bon. Donc ça, c'est les deux subtilités. Et pour l'instant, rien de bien méchant. Maintenant, un point important. Représentation de Legendre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, une U de mu, on a vu comment on l'a défini tout à l'heure, avec cette définition-là, c'est aussi égal à sup de l'intégrale de phi des mi des mu moins l'intégrale de U star de phi des nu. Pour phi, fonction mesurable, bornée, et phi inférieur ou égal à U' de l'infini. Bon, alors il n'y a pas unicité de la représentation, hein. Il y a un paquet de représentations duales qui sont possibles en fonction de la classe qu'on choisit. Là, j'en ai mis une. On peut aussi se restreindre à des fonctions continues et même imposer des conditions supplémentaires pour régulariser. Donc, par exemple, on peut aussi montrer que c'est sub de l'intégrale de phi des mu moins l'intégrale de U star de phi des nu. Pour toutes les fonctions phi continues sur x vérifiant u' de epsilon inférieur ou égal à phi inférieur ou égal à u' de grand M, et je prends le sup sur phi epsilon et grand M. Bon, et ça va être vrai dès que l'espace est localement compact. Et que x est complet, séparable, localement compact. Bon, donc on a le choix. Ici, je n'ai pas imposé qu'elle soit continue. Ici, on a imposé, mais dans tous les cas, le sup est le même. Ici, j'ai mis, ici c'est un sup sur phi. Ouais. Et l'étoile, c'est la transformée de Legendre, voilà, avec U star de P. Égale sup sur R des PR moins U de R. Une transformée de Legendre en dimension 1. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement pratique pour toutes sortes de choses. On va voir des exemples. Et ici, on va voir des exemples dans les propriétés qu'on verra juste après. Et c'est bon de savoir aussi qu'il y a plein de représentations possibles. C'est à l'infini nu ou c'est à l'infini par rapport à... Ah, lequel, où ça? Ah, à l'infini. Oui, à l'infini nu. Ah est-ce que c'est un vrai infini je sais plus. Peut-être il faut le mieux le prendre comme un truc vraiment borné. Vraiment borné, pas un ensemble de mesures nulle près. Un petit instant. Je suis sûr que j'avais dû me poser la question.
Ouais, je crois que ça marche si c'est juste nu borné. Si je modifie, bon, c'est dans le premier terme que ça pourrait jouer. Ouais. Ah. Sauf que il pourrait y avoir une subtilité si mu. Et si, il faut faire gaffe. Il se pourrait qu'il y ait une subtilité. Si mu n'est pas absolument continu, qu'est-ce qui se peut se passer? Le seul truc qui pourrait arriver, ce serait que mu ait une partie singulière. Mu a une partie singulière, que phi soit cons et une partie importante non bornée, infinie, sur cette partie singulière. Et quand on regarderait, ah, on trouverait plus l'infini. U prime de 0. Ah, je suis pas sûr. Il vaut mieux mettre ici un truc vraiment borné. Peut-être qu'il y a une subtilité quand la fonction a un sup essentiel qui n'est pas la même chose que son sup et que l'endroit où phi est non borné se trouve précisément contrôlé, concentré sur une partie de mu qui est négligeable pour nu. Alors, si c'était le cas quand même, ça voudrait dire que ça viendrait dans la partie singulière de mu. U prime de l'infini. Ah non. Si, si, c'est bon. Si, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Celle-ci, c'est bon si c'est juste nu presque partout, mais celle-ci, c'est absolu. Et si jamais U prime de l'infini est fini, évidemment, la deuxième condition est plus forte que la première, si ce truc-là est fini. Mais si U prime de l'infini est égal à l'infini, alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, phi pourrait être non borné, voire prendre des valeurs infinies sur une partie singulière de mu. Mais alors, quand on se souvient de la définition de nu de mu, ça ferait un infini multiplié par un truc strictement positif et ça serait infini, effectivement. Donc ici, c'est vraiment une borne impérative, ce n'est pas un ensemble de mesures nu près, un ensemble de mesures nulles près. Voilà, alors, exemple. Appliquons ça à notre chère fonction R-logR. Alors, exemple, U de R égale R log R, U star de P égale exponentielle P moins 1, et on trouve que H nu de mu est égal au sup de intégrale phi des mu moins l'intégrale de exponentielle phi moins 1 des nu. Alors c'est l'une des formes possibles, mais évidemment il y a plusieurs formes parce qu'on est dans un cas particulier où on a de l'homogénéité. Donc on peut faire mieux. Peut-on faire mieux? Entre guillemets, la réponse est oui par homogénéité. Si on change mu en lambda mu, voilà. Vous allez me dire que j'ai pas le droit parce que changer mu en lambda mu,
si j'ai une, un truc qui n'est pas une mesure de probabilité. Alors c'est en changeant, c'est plutôt en changeant nu en lambda nu. Oh, je vais dire que là, pour la définition, pour la formule, j'ai toujours le droit d'imposer. Alors, pour la formule de Legendre toujours possible, toujours bien définie, même si ce n'est plus une mesure de probabilité, on va trouver que h nu de lambda mu est égal à lambda intégrale de rho log rho des nu plus lambda log lambda. Et donc on va trouver que h nu de mu est égal à 1 sur lambda h nu de lambda mu moins log lambda. On va appliquer la formule de dualité à celui-là. Donc 1 sur lambda sup de l'intégrale de lambda phi des mu moins alors que je dise pas de bêtises, oui, moins, 1, moins l'intégrale de exponentielle phi moins 1 des mu, on y arrive, moins log lambda, voilà, on y arrive. Ça c'est pour tout lambda, et maintenant j'ai toujours le droit d'optimiser en lambda. Et on trouve que c'est la même chose que sup de intégrale de phi des mu moins log de l'intégrale de exponentielle phi moins 1 moins 1. Soit encore, quand on le réécrit, sup sur phi de intégrale de phi des mu moins log de l'intégrale exponentielle phi des nu. Voilà, parce que ici l'exponentielle phi moins 1, il sort du logarithme, il se compense avec le 1 qui est ici. Et ici, les lambdas simplifient l'un l'autre. Ici, on a 1 sur lambda intégrale de l'exponentielle phi moins 1, moins log lambda. On choisit le lambda comme il faut et on trouve ça. Autrement dit, grâce à l'homogénéité, on peut remplacer la fonction, là, dans la dualité intégrale de l'exponentielle phi moins 1, par la fonction log de l'intégrale de l'exponentielle phi. Alors, continuons. Propriété. Premièrement, la fonction qui a mu nu associe u nu de mu est convexe et semi-continue inférieurement. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est une propriété par rapport au couple mu nu. Et c'est semi-continu inférieurement par rapport à la topologie faible des mesures. Et donc, on a le droit de faire varier aussi bien l'argument mu que la mesure de référence nu là-dedans. Et quand ça varie, on aura les mêmes propriétés
de convexité de semi-continuité inférieure. Deuxième propriété, quel que soit f, f mesure image nue de f mesure image mu est inférieur ou égal à u nu de mu. Et troisième propriété, avec x localement compact, on peut trouver, alors, avec x localement compact, si on a une condition comme r u' de r inférieur ou égal à constante u plus de r plus r, qui nous dit que u' ne va pas trop vite à l'infini, hein, typiquement polynomial à l'infini, hein, r u' de r majoré par en gros u de r, alors quel que soit mu, on peut trouver, je suis un peu redondant, mu k tendant vers mu, tel que u nu de mu k tend vers u nu de mu. Hein, on peut réaliser l'égalité dans le fait qu'il y a une limite inf. Puisque c'est semi-continu inférieurement, on a en particulier u nu de mu inférieur ou égal à l'iminf u nu de mu k si mu k tend vers mu. Et ce que je dis, c'est que si la fonction u croît au plus polynomialement, alors on peut trouver une suite qui atteint ce truc-là à la limite. Bon. Alors, idée de la preuve de cette proposition. Juste idée. Pour 1, on va utiliser la représentation duale. Donc sub de l'intégrale phi des mu moins l'intégrale de u star de phi des nu. Et on voit qu'on a un suprémum de fonctions qui sont linéaires par rapport à mu et nu. De fonctionnels linéaires en mu nu. Bon. Et à partir de là, convexe SCI s'en déduit. Alors, fonctionnel linéaire et continu, en particulier, ça se voit si vous regardez, vous vous souvenez, dans la deuxième représentation, on a imposé que les phi soient des fonctions continues, on a mis des bornes sur, phi pour que ce soit strictement plus petit que u' de l'infini et tout ça, donc c'est des choses qui vous garantissent la continuité. Donc ça, c'est pour la première. Pour la seconde, on va écrire f mesure image nue de f mesure image mu. Là encore, j'applique la représentation duale, c'est sub de l'intégrale de phi d de f mesure image mu moins l'intégrale u étoile de phi d de f mesure image nue. Bon, et j'applique la définition de la mesure image pour dire que c'est sub de l'intégrale phi rond f des mu moins l'intégrale de u star de phi rond f des nu. Pardon, pour le 1, tu avais quand même
pour la définition avec les fonctions continues, tu avais supposé que peut-être c'est le canon compact. Est-ce que tu l'as pas mis là? Ah, t'as raison. Vérifions. Ouais, on va mettre localement compact partout. Même si je l'avais mis que là. On réfléchisse. Pour le premier, on va le mettre effectivement. Convexe, il ne posera pas de problème, mais pour avoir le SCI, on va supposer qu'il est localement compact aussi. Pour le 2, on n'en aura pas besoin, mais pour le 1, effectivement, pour la continuité, ça sera bon d'avoir le localement compact, au moins avec cette preuve. On doit pouvoir s'en passer si on n'est plus malin. Non, effectivement. Parce que continuité faible, par définition, c'est contre les fonctions continues bornées. Et donc il nous faut un truc avec des fonctions continues. Donc mettons localement compact. J'aurais dû mettre localement compact partout. Alors, en tout cas, pour 1 et pour 3, on suppose localement compact. Alors, où j'en étais? Deuxième, U de F mesure image nu, F mesure image mu, est égal au sub de tout ça. Sub de l'intégrale de phi rond F. Moins l'intégrale de U star de phi rond F. Bon, et si on regarde, là, c'est juste un jeu d'écriture. Parce que U star de phi rond F, c'est égal à U star de phi rond F. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est donc prendre une... un sup sur une sous-classe de fonction. Donc c'est inférieur ou égal au sup sur l'intégrale de, disons, psi des mu moins l'intégrale de u star de psi des nu. Vous allez me dire qu'il y a une condition, qu'il y a des conditions à respecter. Les conditions à respecter, c'est que... là, dans phi, on avait des conditions qui étaient que phi soit dans L infini et phi soit inférieur ou égal à U' de l'infini. Bon, et si ça c'est vrai, alors ça implique évidemment que phi rond F est dans L infini et phi rond F est inférieur ou égal à U' de l'infini. On a inférieur ou égal au sub sur tous les psi, tels que psi est dans l'infini et psi rond et psi est inférieur ou égal à U' de l'infini. Et voilà, donc ça c'est égal à une U de mu. Donc rien que par un... tour de passe-passe élémentaire, on a cette propriété. Alors, terminologie,
une remarque sur la terminologie. Dans la théorie des grandes déviations, on parle de principe de contraction. Pour dire que les grandes déviations de F mesure image nu sont contrôlées par celles de nu. Et comme H nu est fonctionnel de grande déviation pour la mesure empirique, il est naturel d'appeler 2 la propriété de contraction. De la fonctionnelle unu. Il dit que si on prend la mesure image par une même application, on ne peut que réduire cette fonctionnelle. Bon, et puis l'idée pour 3, c'est de construire une approximation de 1 sous la forme d'un noyau k epsilon de xy tel que l'intégrale en x de k epsilon de xy nu de dx est égal à 1, l'intégrale en y de k epsilon de xy nu de dy est égal à 1, k epsilon continue à support dans l'ensemble des xy tel que distance de xy inférieure ou égale à epsilon, et travailler à partir de ça. Même chose que ce qu'on a l'habitude de faire par convolution dans RN. Bon, et l'idée qui fait marcher les choses, c'est quand je vais regarder l'intégrale de U de l'intégrale de K epsilon de xy rho de y nu de dy nu de dx, voilà, je vais dire que ça c'est inférieur ou égal à avec un Jensen l'intégrale double de k epsilon de xy u de rho de y nu de dy nu de dx intégrer l'intégrale en x et trouver que ça c'est égal à l'intégrale de u de rho de y nu de dy. Bon, et d'autre part, donc ça va me donner un côté. Et d'autre part, ce truc-là, là, intégrale de k epsilon de xy, rho de y, nu de dy, va converger faiblement
vers Rhônus. Bon. Donc, à la limite, donc une U de Rhônus va être inférieure ou égale à limite inf pour epsilon tend vers 0 de ce truc-là, de une U de cette intégrale, intégrale de k epsilon rho des nu. Là, en fait, ce qu'on a montré là avec ce raisonnement, c'est que quand je prends ce machin-là et que je regarde à la limite l'intégrale de U appliquée, enfin la fonctionnelle unu appliquée à ce machin-là, ça converge toujours vers unu. Vous allez me dire, ça semble montrer que ce qu'on a en fait, c'est une. Ça a l'air de montrer que on a toujours l'égalité. Sauf qu'il y a une subtilité, et la subtilité, je vérifie. Je vous ai vendu un truc qui est vrai, mais qui est. Mais je vous ai vendu un truc qui est trop. Qui est inutilement costaud. Je vous ai vendu un truc qui est une hypothèse en trop, parce que je ne dise pas de bêtises. Oui, ça montre que, excusez-moi, cette condition-là, elle est inutile. Cette condition ne sera utile que pour des fonctionnels plus compliqués. Avec coefficient de distorsion. Donc, tout ce que j'ai raconté sera vrai quand on rajoutera des coefficients de distorsion, sauf qu'on aura besoin de faire cette hypothèse en plus. Mais là, le raisonnement qui est là, il vous montre qu'on a la convergence dans tous les cas, même si on ne fait pas l'hypothèse qui est là, l'hypothèse R' inférieur ou égal à C U plus R. Ouais, on l'a utilisé ici, Jensen. L'inégalité de Jensen. Le truc, c'est que la convexité, ça se comporte très bien par régularisation par un noyau intégral. Bon, c'est l'une des raisons qui font que c'est toujours bien d'utiliser des intégrantes convexes. Voilà, alors, quels sont les exemples principaux de fonctions U qui vont nous être utiles ? Exemples principaux. U de R égale R puissance alpha, pour alpha strictement plus grand que 1, bien sûr. Et puis U de R égale moins R puissance alpha, pour alpha strictement plus petit que 1, disons compris entre 0 et 1. C'est deux catégories d'exemples qui nous seront les plus utiles, et on notera Hn de R est égal à moins n R puissance 1 moins 1 sur n moins R, ou si vous voulez, nR 1 moins R moins 1 sur n. H infini de R est égal à R log R. Alors, si je vais mettre des U. Et puis, si on veut, on notera U alpha de R est égal à R puissance alpha, alpha plus grand que 1. Voilà. Ça, c'est les trois classes principales de fonctions, les trois exemples principaux de fonctions qui seront intéressants pour nous. Ah, notons-le plutôt comme ça. 1 plus alpha, pour alpha strictement positif.
Donc ça, c'est les exemples principaux. Et on va maintenant passer à section 4, inégalité informationnelle. Bon, il y a de nombreuses inégalités intéressantes qui font intervenir les fonctionnels HN et d'autres fonctions, d'autres fonctionnels. Égale UN nu et d'autres fonctionnels. Par exemple, avec des distances faibles, avec des distances de transport, et puis avec des gradients. La plus célèbre de ces fonctionnels avec gradient, qui encore s'applique à une densité de probabilité, c'est l'information de Fisher. Célèbre fonctionnel d'une mesure de proba avec gradient, mesure une fonctionnelle qui fait intervenir gradient, et l'information de Fisher. C'est les années 20. Qui apparaît en statistique paramétrique pour mesurer la difficulté à reconstituer un paramètre. Alors, c'est quoi le formalisme habituel? Vous avez une famille ρθ de x de densité qui dépend d'un paramètre θ. C'est un truc inconnu qu'il faut estimer. C'est la valeur de n'importe quoi. X, c'est donc sur un espace x nu. Et donc ça, c'est une densité de probabilité. Et vous définissez I de θ est égal à l'intégrale de moins d2 sur d rond θ2 log rho θ de x nu de dx. Rho mu θ de dx, on va dire. On va l'écrire comme ça. Mu θ égale rho θ nu. Alors, l'idée c'est quoi? Ou alors, si vous voulez, c'est encore espérance sous la loi de paramètre θ de moins d2 sur dθ2 log ρθ de x. Avec un théorème célèbre, qui est, la démonstration est simple, mais qui exprime exactement ce que ça veut dire, le théorème de Kramer-Rao. Si vous avez θ chapeau, une application
qui va de l'espace x1, de l'espace x dans θ, l'espace des paramètres, alors la variance de θ chapeau est supérieure ou égale à 1 plus b prime de θ carré sur i de θ. Bon, vous allez me dire, j'abuse un peu en disant que mon espace des paramètres, ça peut être n'importe quoi, parce qu'ici, quand même, j'ai pris une dérivée seconde par rapport à θ. Alors, on va dire que c'est dans R, l'espace des paramètres. Où B de θ est le biais de l'estimateur. Donc, espérance θ chapeau sous θ moins θ. Alors, quand je mets espérance avec un θ, ça veut dire intégrale, ça, intégrale θ chapeau de x mu θ de dx. Autrement dit, je suis en train d'observer une loi avec un paramètre θ qui est inconnu, enfin un signal qui est tiré comme ça. Moi, j'ai mon estimateur θ chapeau, c'est une fonction qui est définie sur l'espace des observations à valeur dans l'espace des paramètres. C'est ce que je devine, ce que j'essaie de ce que je reconstitue comme la valeur de θ à partir des observations. L'estimateur est dit sans biais si l'espérance sur toutes les réalisations possibles de l'estimateur coïncide avec la vraie valeur. Et il peut avoir un biais. Et dans tous les cas, ce que vous dit l'inégalité ici, c'est que mon estimateur, sa variance ne peut pas être aussi petite qu'on espérait. Quand vous avez un estimateur, plus sa variance est petite, mieux c'est. Parce que vous voulez que l'estimateur soit très concentré autour de la vraie valeur. Bon. Et ce que ça vous dit, ça, c'est que, modulo ici, quelque chose qui dépend du biais, la limitation à ce que l'estimateur soit très concentré, c'est l'information de Fisher. Et c'est la borne, cette borne inférieure qui est assez facile à démontrer. Et il y a une borne supérieure qui est délicate à démontrer, qui dit que asymptotiquement, la borne de Kramer-Rao est atteinte par l'estimateur du maximum de vraisemblance. Sous des bonnes hypothèses sur les densités, ρθ, elles sont différenciables, ceci et cela, par l'estimateur du maximum de vraisemblance. Estimateur du maximum de vraisemblance qui dit, si je veux deviner ce que c'est l'estimateur θ, je vais dire que c'est l'arg max ρθ de x. X est fixé, je maximise en θ partant de l'hypothèse que j'ai cherché l'observation telle que ce que je vois est le résultat le plus probable qui puisse se faire. Donc par rapport à θ, je maximise ρθ de x en fixant x. Bon. Alors, une fois qu'on a ça en tête, on peut faire le chemin à l'envers et comprendre comment il a fait Fisher pour définir son estimation. Il s'est dit, l'estimateur de maximum de vraisemblance, on ne peut pas faire mieux. Et quand je vais chercher à... quand je vais prendre le maximum de vraisemblance, il va être plus ou moins pointu en fonction de quoi? En fonction de la variation du ρθ par rapport à θ. Et ça va être un truc qui va être comme ça. Peut-être. Il y a un certain maximum quelque part. C'est plutôt comme ça, hein. Voilà. Et je serais plus ou moins content, si ce truc-là est très très piqué, la variance de mon estimateur de maximum de vraisemblance, elle sera basse. S'il est très étalé, la variance, elle sera élevée.
On va mettre des logarithmes parce que dès qu'on travaille avec des beaucoup de tirages indépendants, c'est logarithmes qui s'ajoutent, c'est ça qui va bien marcher. Et je vais prendre la variation seconde du logarithme comme une estimation de combien la densité est piquée près de son maximum. Et quand le nombre d'observations va tendre vers l'infini pour des observations indépendantes, les logarithmes vont s'additionner. Ce qui va rester, c'est la variance. Et donc, je suis en train de regarder une variance moyenne de la densité dans sa variation par rapport à θ. Bon. Donc, ça, c'est la formule générale. Alors, si ρθ de x est égal à ρ de x moins θ, évidemment, une variation seconde par rapport à θ, ça correspond à une variation seconde par rapport à x, et i de θ devient égal à l'intégrale de gradient log ρ de x moins θ carré. Alors, pardon, gradient laplacien, alors, je vais écrire ça avec un d de x sur dx2, moins d de x sur dx2 log ρ de x moins θ, ρ de x moins θ dx. Bon, et je peux toujours faire une intégration par partie parce que ce qui était une dérivation en θ, c'est devenu une dérivation en x. Et je trouve que ça, c'est aussi égal à l'intégrale de d sur dx log ρ de x moins θ, d sur dx ρ de x moins θ dx. Bon. Et puis, je peux bien sûr faire le changement de variable évident qui transforme x moins θ en x moins θ, de sorte que finalement c'est indépendant de θ, et ça va être aussi égal à l'intégrale de gradient ρ sur ρ fois gradient ρ dx, soit encore intégrale de gradient ρ carré sur ρ dx. Bon. Donc ça, c'est quand on travaille dans Rn, dans R, et après, si on veut, dans Rn. La signification de cette formule classique d'information de Fisher, il s'agit de reconstituer l'endroit où une distribution, disons, est centrée, l'endroit où elle se trouve dans l'espace Rn. On connaît la forme de la distribution, mais on ne sait pas où elle se trouve, si elle est là ou là. Et la facilité qu'on va avoir à reconstituer ce paramètre, elle est mesurée par ça. Et on sait que si on fait par maximum de vraisemblance, asymptotiquement, ça donnera la bonne borne, que la variance sera comme l'inverse de cette information. Bon. Alors, ça semble très dépendant de R puissance N. Ça semble très dépendant de R puissance N. Mais il y a une autre façon de voir les choses. On peut voir cela aussi comme d sur dt le long de l'équation de la chaleur de l'entropie, de moins l'intégrale de ρ log ρ. Et donc, il y a l'idée qu'on peut remplacer ces translations dans Rn par l'opération équation de la chaleur, qui, elle, va correspondre à faire une convolution par le noyau de la chaleur. Et ça a un sens intrinsèque. Et cela suggère la généralisation à n'importe quelle géométrie, dès qu'on a une équation de la chaleur. Bon, et en particulier en géométrie riemannienne,
ben on définira I nu de mu égale intégrale de grade rho carré sur rho des nu, rho pour quand avec rho égale mu égale rho nu. Alors, l'équation de la chaleur, ici, ça c'est pareil que les fois d'avant, ça serait d rond t rho égale L rho, où L serait laplacien moins grade V scalaire gradient, et nu égale exponentielle moins V fois volume. Bon, alors ça c'est le contexte donc pour les informations et plus généralement on trouve des fonctionnels de la forme intégrale d'un certain intégrand de rho et gradient rho des nus. Dans divers domaines. C'est plutôt, on va mettre comme ça, des mu, dans divers domaines, avec souvent un certain sens qui peut venir de la physique, qui peut venir de la géométrie, ou de ce que vous voulez. Alors, les inégalités, je vais vous donner une liste de quatre principaux types d'inégalités, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Quatre grands types d'inégalités. Premièrement, évolution de l'information par mélange. Exemple, l'une des plus célèbres, l'inégalité de Shannon-Stam. Qui joue un rôle important en théorie de la communication et qui vous dit que si vous avez x et y, des variables aléatoires indépendantes dans Rn, alors S de racine de lambda x plus racine de 1 moins lambda y. Ici, je note S de la variable aléatoire pour dire S de la mesure de la loi de la variable aléatoire est supérieur ou égal à 1 moins lambda, alors à lambda S de x plus 1 moins lambda S de y. Et ça, c'est pour lambda compris entre 0 et 1. Bon, et il y a une autre inégalité complètement pareille avec des informations de Fisher qui s'appelle Blackman-Stam et qui dit que I de racine de lambda x plus racine de 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda I de x plus 1 moins lambda I de y. Alors, on les revoit, on les retrouve ces inégalités. On les retrouve sous différentes formes, par homogénéité, elles se réécrivent sous les formes suivantes. S de, alors,
n de x plus y supérieur ou égal à n de x plus n de y et 1 sur i de x plus y est inférieur ou égal à c'est i qui est plus petit et donc est supérieur ou égal à 1 sur i de x plus 1 sur i de y où n de x est égal à exponentielle 2 sur n fois grand S de x divisé par 2 pi e, la fonction puissance entropie de Shannon. Donc, ces inégalités, elles vous disent en un certain sens que quand vous mélangez deux signaux, vous obtenez un truc qui a une information plus, une entropie plus élevée, une information plus basse. Et on passe de l'un à l'autre en optimisant par rapport au lambda, en utilisant le fait qu'on a des exponentielles, des logs, un peu comme on a fait tout à l'heure pour passer d'une forme à l'autre dans la dualité de l'entropie. Un autre exemple. Qui encore parle de mélange. Une façon naturelle de mélanger quand vous avez deux signaux, c'est de faire comme ça la convolution, donc les ajouter quand vous êtes dans RN. Une autre façon naturelle de mélanger, c'est quand vous avez un signal, d'appliquer l'équation de la chaleur, ce qui revient à mélanger le noyau de la chaleur avec le signal. Donc voici un autre exemple d'évolution de l'information par mélange. Quand vous regardez le semi-groupe de la chaleur, appliqué à la puissance entropie, vous trouvez que c'est négatif. Ça s'appelle la concavité de la puissance entropie. Et c'est un résultat délicat, un peu délicat. Bon, vous en avez d'autres sur le comportement tangent, sur le comportement temps court. Mais donc, il y a toute une catégorie, toute une classe, des classes d'inégalités qui se réfèrent à ça. Montrer que selon certaines opérations de mélange, l'entropie augmente. Et évidemment, si on remonte du temps de Boltzmann, c'est déjà ça aussi. Certains mélanges de mesure de probabilité, on montre que ça augmente. Deuxième exemple. Domination. Deuxième catégorie, plutôt. Domination d'une information par une autre. Que ce ne soit pas. Et ouais, ça dépend. Ici, c'est juste la chaleur qu'on applique. Ici, c'est juste la chaleur. Je prends ma mesure de probabilité, j'applique la chaleur, et alors la dérivée seconde de la puissance entropie est négative. Domination d'une information par une autre. Exemple plus célèbre est l'inégalité de Sobolev logarithmique. Et je vais juste mettre la plus célèbre. On va dire Stam Gross, qui dit que si je prends gamma égale la gaussienne standard, alors H gamma est inférieur ou égal à I gamma sur 2. Hein, bon, je vais mettre explicitement H gamma de mu inférieur ou égal à I gamma de mu sur 2 pour tout mu. Donc ça, c'est l'inégalité de Sobolev logarithmique, et elle a à la fois un contenu isopérimétrique et un contenu spectral. Bon, et elle se prouve au moins de 15 façons différentes. Autre exemple, inégalité de Sobolev déguisée.
Alors, ça va être quoi une égalité de Sobolev déguisée? Eh bien, dans Rn, par exemple, ça dira juste que si l'intégrale de ρ est égale à 1, l'intégrale habituelle de ρ, alors l'intégrale de ρ0, ρ, gradient ρ puissance moins 1 sur n à la puissance p est supérieure ou égale à une constante k, p, strictement positive. Voilà. Pourquoi c'est une égalité de Sobolev déguisée? Parce que c'est équivalent à dire que U L P étoile est inférieur ou égal à la constante qui dépend de P et de N, ici c'est P et N, fois grad U en norme LP avec P étoile égale NP sur N moins P. Et dire ça quel que soit U. Et là, c'est la fonction qui est le héros, tandis que là, c'est une densité de proba. On dit que pour toute densité de proba, on a une borne inférieure sur ce truc-là qui ressemble à une, qui ressemble à une information. Si vous faites, si vous faites n tendant vers l'infini et que vous prenez p égale 2, par exemple, vous retrouvez vraiment l'information de Fisher. Bon. Et on peut le voir aussi comme quelque chose qui vous dit que... il y a une borne inférieure à certaines quantités qui ressemblent à, qui contiennent une notion d'information sur la densité d'une probabilité. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple d'inégalité avec des informations. Troisième exemple. Troisième famille, disons. C'est la domination d'une distance par une information et exemple. Le plus célèbre inégalité dite de Talagrand. Qui dit que W2 de mu à gamma, toujours le même gamma, donc pour tout mu, est inférieur ou égal à racine de 2h nu de mu. Bon. Autre exemple, qui va être un peu subtil, celui-ci c'est Bobkov-Ledoux. On prend gamma, on prend nu. Une inégalité qui vérifie juste une inégalité de points carrés, hein, donc un trou spectral L2. Alors, CQL de mu nu est inférieur ou égal à constante fois H nu de mu, fois H ouais, nu de mu. Où CQL de mu nu, c'est le coût de transport associé à un coût C de XY qui vaut distance de X à Y si distance de XY est supérieure ou égale à 1 et distance de X à Y carré si distance de X à Y est inférieure ou égale à 1. Quadratique au début et linéaire ensuite. Et en fait, il y a équivalence. Donc là aussi,
c'est assez traître. On est en train de parler d'une inégalité de trou spectral déguisée. Elle est déguisée sous la forme du fait qu'un certain coût de transport est majoré par une information. C'est du boulot pour montrer qu'il y a l'équivalence. Mais c'est pour vous montrer que aussi ces inégalités de Poincaré, elles peuvent se reformuler en termes informationnels. Et puis dernière catégorie. Il n'y a pas de constante optimale là-dedans, mais il y a des encadrements en fonction du trou spectral. Ouais, ouais. Il n'y a pas de pas optimal. Pour avoir l'optimalité, il ne faudrait pas prendre ce coup-là exactement, mais un coup qui serait bien calibré. Je crois que le coup, c'est une histoire de... Oh, je ne sais plus. Il y a une histoire d'évolution, Milton Jacobi, quelque chose comme ça. Mais il y a des encadrements, en tout cas. Et quatrième exemple. Alors, ça, c'est... D'abord, en fait, ça, c'est équivalent. Et ça, c'est du genre concentration de la mesure. Quand vous avez une égalité, un transport majoré par une information au sens habituel, c'est toujours genre concentration de la mesure. Et comment ça se comprend ? Ben, à gauche, le transport de mu à nu, il vous dit quelle est la facilité que vous avez à envahir tout l'espace à partir de mu. Et à droite, c'est un truc qui dépend de la façon dont mu est concentré par rapport à nu. Si par exemple mu est concentré, mu est égal à la restriction de nu à un ensemble, ben ce truc-là, ça dépend juste de la probabilité de l'ensemble. Donc ça vous dit en gros quelle est la probabilité en probabilité, comment mu est par rapport à nu. Tandis que ça vous dit combien d'efforts il va falloir dépenser pour déplacer les trucs pour aller de x à y et ainsi envahir tout. Donc ça, c'est comme une sorte de distance moyenne qui vous manque. Et ça, c'est comme la probabilité que vous avez déjà là. Donc ça, c'est du genre concentration de la mesure. Et la dernière exemple, c'est interpolation. C'est le genre interpolation qui fait intervenir où vous contrôlez une information par une information avec gradient et une distance de transport. Et celle qui marche le mieux, c'est celle qu'on a prouvée avec Otto en 2000. Et qui vous dit que, par exemple, avec une gaussienne, ou n'importe quelle mesure, en fait, c'est des zéros infinis, h nu de mu, h gamma de mu, est inférieur ou égal à racine carrée de, pardon, à W2 de mu gamma fois racine carrée de I nu, I gamma de mu. Voilà, HWI. Bon. Où là, vous avez un coup, un peu de transport et un peu d'information plus forte. Bon. Et ça, c'est genre interpolation. Genre interpolation. Alors, voilà, on a fait le tour d'horizon sur ces entropies en général, entropie information. On n'a pas tout dit. Par exemple, j'ai passé sous silence le fait que l'information de Fisher, elle a aussi des liens avec les grandes déviations. Ça s'appelle le théorème de Donsker-Varadhan. Quand vous regardez les grandes déviations d'un mouvement brownien, d'un processus stochastique, dont la mesure invariante est égale à nu, hein, celui qui correspond au générateur L qu'on a vu, et vous regardez ces grandes déviations trajectorielles. Hein, vous regardez la mesure d'occupation, 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de delta xt dt. Hein, et bien, ça, vous espérez que ça va converger vers nu quand t tend vers l'infini. Une ergodicité dans ce cadre-là stochastique.
et vous demandez est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a un principe de grande déviation, et la réponse est oui, c'est vrai, il y a un principe de grande déviation, et c'est la fonctionnelle inu qui représente le principe de la fonctionnelle de grande déviation pour ça. Donc, il y a des choses qui peuvent se réinterpréter en termes de grande déviation pour tout ça. Une grosse partie peut se réinterpréter en termes de grande déviation. Par exemple, Sobolev logarithmique, un grand déviationniste lira ça en disant que la fonctionnelle de grande déviation associée à la mesure empirique qui est tirée des particules aléatoirement et indépendamment est plus petite, autrement dit c'est moins concentré, ça dévie moins si on veut, que celle qui est associée aux trajectoires. Et que moralement, il y a toujours intérêt à regarder une approximation trajectorielle plutôt que de faire une approximation par tirage indépendant quand on s'intéresse à un truc genre mouvement brownien. Bon, donc on n'a pas dit tout ce qu'on pouvait dire, mais on a fait un peu le panorama. Alors, toutes ces questions-là se retrouvent liées à notre histoire, au sens où, dans tous les cas, que ce soit la catégorie 1 ou 2 ou 3 ou 4, quand on va se demander ce qui peut se généraliser à des géométries un peu non particulières, c'est toujours la courbure de Ricci qui va intervenir, les critères de courbure dimension. Et certaines de ces inégalités, on va les utiliser en relation avec la lecture de la courbure de Ricci. Voilà.